Il ne reste plus grand chose. Je pense que ça s'arrête à 60, effectivement. Elle est grande la baraque. Les Gretel sont sortis explorer. Donne-leur quelque chose pour qu'ils laissent une trace derrière eux. Caillou. Non? Du pain. Ils sont disparus, ils font autre chose. Charbon. Bois. On chie. Des billes. Parfait. Et la vieille dame a coupé un peu de bois. De cheval, j'apporte-le jusqu'à la poêle. Bah, une hache. Tiens. Ah. Elle donne la vieille, c'est le mec qui fait non. Ok, t'es trop nul. Ah. T'es tombé dans mon piège, Gretel vient dans mon esclave, un de celle sera mon repas. Aïe aïe. Dans le four. Il y a quelque chose pour tromper la sorcière afin qu'elle ne le mange pas. Ouais. Trop de dieu et j'ai l'air trop déçu. Que puis-je faire pour que la sorcière ne me mange pas? Sale. Viens faire la sorcière près du four. C'est ça le four, non? C'est ça. Succulent. Oui. Oui, c'est ça, disons. Lol. Qu'est-ce que je peux faire? Rapidement la sorcière près du four. Ouais, je suis là. Je crée une distraction. Pétard. Ta chance. Le temps à perdre, je dois sauver Ansel et sortir d'ici. Je croyais qu'il avait ramassé. Elle est chaude, mais elle est froide. Des gants. Yay. Fait tellement tâche en géant là-dedans. Oh, papa, papa. Oh non, les toilettes là-bas, les trolls. Et j'aurais pu mettre Super Sonic. Allez, il ne reste plus grand chose à faire.
Invincible, on s'en fout. Super Sonic. Voilà. Ville. À cause de tous mes mensonges, mon nez a grossi. Si je promets d'être honnête, je le rends plus petit. Honnête. C'est 60. C'est ça pour dévoiler un nouveau monde. Ah, ça se trouve c'est pas fini. Finit par s'arranger. La lumière ne provenait pas de la starite, mais de toutes les bonnes actions accomplies par Maxwell pour me sauver. Chacune d'elles avait été utile. Papa a vu que nous étions furieux contre lui. Ce n'est pas gentil de transformer sa fille en pierre. Il voulait nous faire comprendre que la vie pouvait être difficile, même quand on possède des pouvoirs. Il a dit aussi qu'il savait que nous allions réussir car nous étions ses enfants. Nous lui avons pardonné, mais nous lui avons quand même joué un tour. Nous lui avons pris sa canne et l'avons utilisée sur sa commode. Ensuite, nous avons utilisé nos pouvoirs pour aider ceux qui n'en avaient pas. On s'est bien amusés. Souvenez-vous, il faut toujours traiter les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Tout le monde n'a pas un frère qui possède un carnet magique. Heureusement pour moi, j'en avais un. Fin. Fin.